On se rend compte qu'on fait vraiment notre métier pour les forces et derrière il y a une réelle application pour les militaires, enfin pour toutes les personnes du ministère des Armées. Je suis Maude, je suis directrice d'essai à DGA Technique Terrestre sur le site de Bourges. Mon domaine d'habilitation en tant que directeur d'essai, ça va être le tir statique, donc pour pouvoir réaliser les tirs sur les véhicules, ainsi que le petit et moyen calibre, car les habilitations de directeur d'essai se font vraiment dans un domaine particulier, qui peut être un type d'arme, un type d'essai. Et après, dans le centre en général, on va avoir des essais de tout type, sur tout type de matériel. Ça peut être sur les véhicules, la façon dont ils roulent, sur des munitions, leur efficacité, ça peut être sur des robots, la façon dont ils fonctionnent aussi. Alors le métier de directeur d'essai, il va consister dans l'organisation des essais. Donc l'organisation, ça comprend une phase amont d'ingénierie d'essai. Donc c'est le travail au bureau de préparation, de planification, d'organisation. Donc il faut bien comprendre le besoin de l'essai, tout organiser, tout planifier, et aussi assurer la sécurité, donc rédiger tous les documents de sécurité nécessaires au bon déroulement de l'essai. Et on devrait pouvoir planifier l'essai milieu novembre. Ensuite, on va avoir une phase sur le terrain, donc l'essai à proprement parler. Sur le terrain, on va avoir une composante principale qui va être le management d'une équipe. La barrière d'obliquité, je la mets à quelle distance de la cible? On est à 12 mètres. 12 mètres. Distance. Vous êtes quelle distance entre l'arme et la cible? On est à 13 mètres. Donc si tout est bon pour vous, on va pouvoir aller mettre en place dans la gaine de tir et se préparer pour l'essai. Très bien. Très bien. Donc une équipe composée de spécialistes de mesure, de spécialistes pyrotechniciens et de tous les domaines dont on va avoir besoin pour la réalisation de l'essai. On va devoir assurer la sécurité des biens et des personnes au cours de l'essai. Donc personne ne sera en contact avec les munitions, mis à part l'artificier qui est qualifié pour les manipuler. Moi, mon rôle, ça va vraiment être au niveau de l'essai. Je vais travailler en amont donc avec l'expert qui va m'exprimer le besoin qu'il a sur un essai donné. Donc il va m'exprimer son besoin en termes de mesures, ce qu'il lui faut comme type de mesure, ce qu'il a besoin d'expérimenter. Et ensuite, moi je vais agir pour organiser l'essai et pour lui donner des résultats. Et après, ça va être lui qui va faire une conclusion d'expertise pour valider ou non un matériel. Sur tous les essais, on peut vraiment tout placer comme type de moyen de mesure. On va pouvoir avoir des accélérations, des pressions, des radars, des trajectoires, d'autres types de visualisation. On est vraiment très riche en moyens de mesure pour pouvoir répondre à tout type de besoin quasiment. Effectivement, les mesures sont vraiment le point essentiel de l'essai, car c'est ça qui va nous donner les résultats qu'on exploite derrière. De notre côté, on est au vert. Attention pour le tir. 3, 2, 1, feu! Reçu! Et enfin, on va avoir une phase de restitution des résultats, qui est quand même le but principal de l'essai. Donc, par le biais de la rédaction d'un rapport d'essai qui va être fourni au client et qui va contenir tous les résultats des mesures qu'on a pu faire. Après, au niveau des résultats concrets de nos essais,
on est conscient que ce qu'on teste parfois c'est au-delà des limites de la protection que fournit les différents matériels. Par exemple, on nous donne un casque, on va le tester dans toutes les conditions, les pires menaces, on va vraiment tout tester. Donc parfois on peut voir vraiment des dommages importants et surtout on voit le progrès en fait des matériels. Par exemple, quand on teste un ancien véhicule ou un nouveau véhicule, on se rend compte des progrès en termes de protection. En tant que directeur d'essai, on est responsable de la sécurité des biens et des personnels. Donc c'est pour ça qu'on a vraiment un travail en amont pour préparer toute la sécurité et pour être sûr que ça se déroule sans problème. C'est que c'est un métier vraiment très intéressant car ça va joindre de la technique. On va voir différents matériels, différents types d'essais et on aura aussi un aspect humain qui est vraiment assez passionnant. Enfin, c'est un métier assez concret. On peut voir derrière des applications directes de ce qu'on a testé auparavant, de ce qu'on a pu faire.